Une information à prendre avec de grosses pincettes. Alors qu'Audrey Fleurot fait les belles heures de TF1 en s'illustrant dans la série HPI, nos confrères de Closer ont assuré dans leur colonne ce vendredi 28 juillet 2023 que la comédienne pourrait tirer sa révérence à l'issue de la 5e saison de la saga. Voilà plusieurs décennies que TF1 fait le bonheur de ses fidèles téléspectateurs en diffusant de multiples séries à succès. À ce jour, difficile de faire l'impasse sur HPI, incontournable fiction brillamment portée par Audrey Fleurot qui incarne Morgane Alvaro, une mère de famille au potentiel intellectuel qui s'illustre au sein de la police. Les aficionados se sont littéralement pris d'affection pour cette héroïne haute en couleur. Mais à en croire les informations de Closer dévoilées ce vendredi 28 juillet 2023, Audrey Fleurot aurait envie de se lancer dans de nouveaux projets. Ainsi, la maman de Lou pourrait tirer sa révérence après la 5e saison de Pi. Comme l'ensemble du casting. Toujours selon leurs sources, la comédienne ne voudrait pas être enfermée dans une case avec le rôle de Morgane Alvaro. Et ce n'est pas tout. Les scénaristes seraient aussi à court d'idées quant aux intrigues. Acter la fin de la saga sonnerait pour eux comme une évidence. Toutefois, les comédiens et équipes de tournage devraient se retrouver courant toutes pour mettre en boîte la 4e salve de Pi. Depuis son lancement il y a 2 ans, la fiction la plus regardée de France réunit chaque semaine des millions de téléspectateurs, dont 6,9 pour son épisode final fin juin. De multiples records d'audience qui font grincer les dents les chaînes concurrentes. Malgré l'immense engouement autour de la fiction, Audrey Fleurot, l'actrice phare, garde les pieds sur terre et reste fidèle à son essence. Polyvalent et passionné, la compagne de Djibril Glissant aime constamment sortir de sa zone de confort. Je n'aille pas de plan de carrière, j'aime casser mon image. Je m'ennuie vite, a-t-elle révélé dans les colonnes de Paris Match en septembre 2021. Enchaîner les projets suffit à faire son bonheur, cette année a été très dense, mais je ne pouvais pas rêver mieux, j'ai tourné une comédie, HPI, Mensonge, qui est un thriller, un film de genre pour Arte, et, là, je tourne une série d'époque avec les combattantes. La seule chose qui me manque, ce serait un film de zombies ou de pirates. Mais prêter ses traits à Morgane Alvaro n'est pas toujours aisé pour l'artiste. Soucieuse du moindre détail, elle se surpasse constamment devant la caméra. Je dois me maintenir dans un état de connerie permanente pour garder sa dynamique. Mine de rien, ça veut dire que je suis toute la journée à dire et à faire des conneries sur le plateau, a révélé Audrey Fleurot pour Télé Loisirs en 2022. Et de compléter, du coup, ça me demande une énergie folle et le soir je suis rincé de chez rincé. Et ce n'est pas fini. Après chaque tournage, le soir, je dois apprendre les textes du lendemain. Donc, si est intense. Là je suis contente de faire un break de quelques semaines. J'aimerais dégager du temps pour écrire un scénario. Affaire à suivre.